ici. Il y a eu un meurtre. Que dois-je faire? Je sais. Je vais appeler la police. J'ai besoin d'un agent de police. Quelqu'un est mort. Wow, c'était très rapide. Le corps est là-bas. Je vais l'examiner avec ma loupe. Je n'ai rien trouvé, sauf une marque rouge sur son visage. C'est comme s'il avait été frappé par une chaussure. Je connais cet homme. Il est marié à une femme d'affaires très connue. Je pense que cette femme pourrait être la coupable. Qui était là ce matin? Il y avait sa femme, le voisin et le jardinier. Voici donc les trois suspects. Le voisin, le jardinier et la femme de la victime. Maintenant, je vais commencer les interrogatoires. Non? Pierre Blanchard. Comment connaissez-vous cet homme? Je suis son voisin. J'habite ici depuis 18 ans. Je jure que je sais rien. Je suis resté dans mon jardin aujourd'hui pour commencer. Et vous, quel est votre nom? Je m'appelle Thomas Plon. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis le jardinier. Je m'occupe de la pelouse et des fleurs. Je n'ai pas assassiné cet homme parce que je suis resté dans la rue du jardin pour ranger le sol. Et vous? Vous êtes la femme de la victime, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Je suis pas la bonne santé. Je n'ai tellement mon mari. Quel est votre emploi? Je suis femme d'affaires. Je vends des vêtements dans un petit magasin. Et que faisiez-vous ce matin? J'étais dans mon bureau. J'avais beaucoup de mails importants à envoyer. Je pense que j'ai résolu le mystère. C'était facile. La marque sur son visage. C'est une marque de temps. Cet homme a été tué par une tombe. Et il y a seulement une personne qui aurait pu porter une telle chaussure. C'est vous, la coupable. Vous êtes en état d'arrestation. Vous portiez des tombes ce matin. On peut voir les marques de bronzage sous vos pieds. Non, c'est pas moi. Vous vous défendrez au tribunal. Attendez. Je pense que j'ai trouvé quelque chose. Regardez cette publicité. Avec Madame Bonne Santé, portez des tongs et restez en bonne santé. Mais pas des pieds. Madame, vous vendez des tongs? Oui, c'est vrai. J'ai acheté mes propres tongs dans son magasin. C'est elle qui a commis le crime. Bien sûr. Elle a utilisé une tombe de son magasin. Est-ce que c'est vrai? Ouvrez votre manteau. Non! Maintenant, nous pouvons découvrir la vérité. Vous êtes la coupable. Vous êtes en état d'arrestation. Vous êtes donc libre, monsieur. Merci. Je suis heureux que la coupable ait été démasquée. Nous sommes à nouveau en sécurité. Le meurtrier a été capturé. Comment pouvons-nous vous remercier? Ce n'est pas nécessaire. Je n'ai fait que mon devoir. Soudainement. Chérie, où es-tu? Ah, chérie, tu es là. Il faut que je te parle. Je pense que je me suis endormie devant les experts à Miami. Et j'ai fait un rêve très étrange. Écoute. Il faut que je t'annonce quelque chose, ok? Je pense que je veux ouvrir un magasin
tongue.